La cérémonie d'ouverture de la 24e édition du Festival national du film a eu lieu sur la scène du prestigieux Palais des arts et de la culture de Tanger. Cette année, le festival est projeté pour être un pont entre les générations passées de cinéastes et les jeunes talents et créateurs d'aujourd'hui. Ce festival est une occasion pour tous les acteurs, réalisateurs, critiques de cinéma, cinéphiles et acteurs du secteur cinématographique marocain de se rencontrer, d'échanger et de regarder de nouveaux films. C'est une opportunité extraordinaire pour l'industrie cinématographique. Le président de l'Union des réalisateurs et des auteurs marocains a commenté l'importance de l'événement et la position unique de Tanger. Pour de multiples raisons, Tanger est une véritable référence en matière de cinématographie. Depuis plus d'un siècle, Tanger est un pôle majeur pour le tourisme, la politique et maintenant le cinéma. Le Festival national du film de Tanger rassemble tous les amoureux du cinéma marocain et mondial. Lancé en 1982, ce festival met également en avant le tourisme culturel à Tanger, ville située sur les côtes de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique. De nombreux films locaux et étrangers ont été tournés à Tanger. La ville de Tanger attire les cinéastes avec les allées de son ancienne médina, son architecture, ses plages et ses habitants. Ce festival contribue à dynamiser le tourisme culturel à Tanger et au Maroc. La ville de Tanger est un pôle touristique. Elle a pour ambition de devenir un centre artistique, cinématographique et touristique culturel. Ce festival permet aux visiteurs de prendre plaisir à regarder des films et à découvrir la beauté de la région. Avec une sélection variée et riche de films marocains, le Festival national du film de Tanger met en avant des œuvres contemporaines ainsi que des créations innovantes qui illustrent la diversité du cinéma dans ce pays d'Afrique du Nord.